Bonjour à tous. Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Nous voici pour le WWE Universe Show épisode 3. Nous commençons sans plus attendre avec le show 100% masculin que j'ai un peu modifié pour mettre un peu moins de participants et un peu plus de défis. Et sans plus attendre, nous l'attendons tous. Voici le premier épisode du Universe Show. Voilà. Et oui, quelle arène quand même. La révolte. On est à Houston, Ohio, je dirais. Mais regardez ce ring magnifique. Est-ce prêt pour les combats de grande place, de grande qualité. Et voilà. Donc, sans plus attendre, les matchs de cette soirée. AJ Styles, Bray Wyatt, Xavier Woods, Kofi Kingston contre Goldust et Hershus. Oh, James Ward va parler ce soir. En exclusivité, Randy Orton, Big Show, Chris Jericho, Sheamus, Braun Strowman versus Brock Lesnar. Et pour finir, Antonio Cesaro versus Finn Balor. Et ensuite, et non des moindres, Samoa Joe versus John Cena. Et sans plus attendre, passons au premier match. AJ Styles versus Bray Wyatt. Et bien, si je prenais The Phenomenal One, AJ Styles. La rivalité entre ces deux hommes ne cesse de grandir, ne cesse de croître. Alors qu'on est dans le show CM Punk Best in the World. Hey yes, Chicago. Et nous voici donc. Oh oh, quelle belle arène. Oh, whoop, whoop. Admirez la belle arène, en tout cas. AJ Styles, l'extrême Champions League Wrestling. Ici, Derry. Mais bon, passons ensuite à l'arrivée de l'homme, l'un des hommes les plus bizarres actuellement de la WWE. Oh mon dieu, c'est qui? Bray Wyatt, bien sûr. Dun, 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 dun. Le voici sans plus attendre. Bray Wyatt. Et si nous battons, nous n'avons pas de ça à faire. Nous n'avons pas de ça à faire. Nous avons des comptes à régler. Bray Wyatt et Styles. Ils avancent, le même but commun. Il lâche la lampe. Wyatt attaque le premier finalement. Oh, c'est contré par Justice. C'est contré. Oh, carrément. C'est parti, les deux vont se battre. The Phenomenal One. Regardez, son chapeau tombe. Il a fait tomber le chapeau. Oh, l'enfourchement bien porté par AJ Styles, l'ancien de la New Japan Wrestling. De la TNA, je crois qu'il a même fait la Ring of Honor, hein. Pas dire de bêtises. Et contre AJ Styles. Oh, AJ Styles, Gigi Tatame. C'est fini pour AJ Styles. Oh, frappe de Bray Wyatt. Le match qui ne veut pas commencer les deux. Ils ont tellement de rivalité à régler. Mais oh, Justin projette puissamment. Voyons la magnifique arène. Oui, on va venir sur ring. On vous le garantit. C'est parti. Je match seul. C'est parti. Bray Wyatt n'aura pas le temps.
de se changer. AJ Styles prend le dessus déjà. Oh là là, AJ Styles est là. Avec des dates bizarres, en dessous de pas toi, c'est AJ. Oh, là, il va y attendre le reste. C'est le prince d'as. Offrir un match 5 étoiles. Oh, AJ Styles, German Suplex. J'avais ça pour le son de la télé, attendez. Voilà. Et si AJ Styles posait du phénomène à van. Phénomène à contrer, AJ Styles passe par-dessus la troisième tour. Voilà, il lui dit de se relever. Bray Wyatt est déjà fini ou pas? Ce match va-t-il finir sur la débandade? Oh, AJ Styles, sa prise favorite. Et voilà la victoire d'AJ Styles annoncée. Il annonce sa victoire. Les deux étant en rivalité actuellement, on ne peut pas trop parler de leur histoire d'amour. Il faut que ça se cesse un jour ou l'autre. Et attention, AJ Styles. Oh, tu rentres la tête la première. Tu retombes Bray Wyatt. Oh. Oh, qu'est-ce qu'il veut faire? AJ Styles est là. Bray Wyatt. Non, non. Just a logique. Bray Wyatt. On va revoir cette action magnifique. Et si moi, si on m'entend plus ma voix là, j'ai pas beaucoup de voix. Mais quelle action magnifique de AJ Styles. Oh là 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 là. Hop là. Il envoie par terre AJ Styles. Il dit que sa victoire est faite et il a raison. Avec un tel DDT, qu'est-ce que Bray Wyatt peut faire? On est à 4. Bray Wyatt s'enlève. Complètement brodi. Oh là, oui, qui bloque. Tu me prends le voyage. Tiens, j'essaye, c'est moi. Oh, il a utilisé une forme pour le voyage. Tiens, même j'essaye au sol. Tu travailles au sol pour maintenir et éviter la vitesse de j'essaye de partir en cours. Intelligemment. Oh, oh mon dieu. Oh, le voyage qui revient à toute charge. Oh, dans le dos, bien porté par Bray Wyatt, une claque dans le dos. Et Justin qui regarde, et Justin ne va pas se faire. Oh, c'est bien joué, à merveille. Et souplesse pour qu'on continue le travail. Et c'est Justin qui prendrait des risques ce soir. Surpasser Bray Wyatt, ça signifie surpasser tout. Oh, quelle prise de AJ Styles. Et attendez, j'ai regardé les prises de AJ Styles. Hein. Le calf, ah ouais, c'est une soumission. Et c'est quoi? Oh, contré par Bray Wyatt. Bray Wyatt, là, voilà. Et... Tombe de Styles. Tombe de Styles. Si je revois Bray Wyatt. Oh, la tournade d'autosline. C'est fini. C'est fini. Et 1, 2... Simplement de Bray Wyatt titre ratifie d'une résistance à toute épreuve pour ce match. Et AJ Styles, bon saut. Et il se relève. Non mais il contre tout, Bray Wyatt ne veut pas se battre. Oh là, Bray Wyatt, c'est bien de faire, c'est magistral. Oh, attention, AJ Styles, AJ Styles. Oh, compte de Bray Wyatt encore une fois. Oui, donc les shows comme ça seront faits en deux épisodes, hein, vous savez. On a quelques matchs dans le premier, quelques matchs dans le deuxième, pour pas que ça soit trop long, vu que sinon c'est très long à poster les vidéos. Et donc je ferai aussi un épisode, je pense, en live, dans l'épisode 3, pour le prochain show féminin. Il sera certainement en live, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que Bray Wyatt va nous surprendre? Et nous, en tout cas, nous prenons le temps à agir.
but I still don't see him giving up. I don't like the look of his eye here, folks. I don't like his entire face. Oui, donc voilà, là ça sera le premier épisode. Whoa, whoa! What makes a man even want to take a gamble like that, King? How should I know? I'm scared of heights. Et on voit la célébration de Bray Wyatt de AJ Styles. Mais ce n'est pas Bray Wyatt. C'est tout. Oh oui, AJ Styles n'est pas fini. Voilà. Et on va faire un bon franchement. Ils proposent des grands matchs là, les deux actuellement. Avec des rebondissements. Oh! Si AJ Styles faisait une surprise encore une fois, il va faire quoi comme prise? Tourne là, dos DDT en la deuxième corde. Oh là, attention. C'est fini. C'est fini. Bray Wyatt. 1, 2. Non, simplement 2. Il veut lâcher. AJ Styles veut lâcher Bray Wyatt. Pour le ring. Ça passe. Ça passe. Ça passe. C'est cassé pour AJ Styles. Il va placer son Style Clash. Style Clash, pardon, excusez-moi. Et voilà, ça va passer aussi. Et c'est fini pour Bray Wyatt. Non, oh là 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 là. Bray Wyatt aura résisté. Il résiste, mais il surprend encore une fois. Quel match! Oui, donc voilà, donc là on va faire 2-3 matchs je pense, et après on fera deux, on finira l'autre épisode tranquillement. Mais là ce match qui dure, oh non, Bray Wyatt, Bray Wyatt. Oh, l'écrasement sur AJ Styles. Oh, il attend. Oh mon dieu. Il nous dit de venir, il nous attend pour le Sister Abigail. Faut contrer, sinon c'est un phare de haine. Sister Abigail, Sister Abigail portée par Bray Wyatt, va-t-il finir le match? Oh, même pas un. AJ Styles est phénoménal, il ne faut pas l'oublier. Bon, pardon par contre pour l'avoir, j'ai peut-être bientôt avoir un nouveau cast, je vais essayer pour la PS4, donc ça sera peut-être mieux après les voix, donc je ferai plusieurs essais. Donc voilà, mais en attendant, la voix sera toujours moyenne. Et attention, AJ Styles, German Suplex. Et Jess, tu vas faire AJ Styles proche chez Bray Wyatt. Jess, il va sortir comme prise. Oh oh, oh oh, ça a fait lever la foule. Mais pour Bray Wyatt, il va peut-être se lever. Oh non, non. J'ai vu, j'ai compris. C'est fini pour Bray Wyatt. Wow. 2. Oh non, j'y ai cru franchement. Pense que vous aussi vous avez cru sur ce coup. Oh, AJ Styles, Fire Forcing Clash pour préparer le terrain. Et là il va lâcher. C'est fini pour Bray Wyatt. Oh, le clash. Il va pas lâcher maintenant. Il va pas lâcher comme ça. Il va le tuer au splash. AJ Styles va tuer Bray Wyatt au splash. Et c'est fini. 1, 2, non. Oh là 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 là, quel match. Ah, quel match, hein, franchement. On voit AJ Styles épuisé. Bray Wyatt épuisé. Oh là 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 là, simplement deux encore une fois. Oh oh, triche de AJ Styles. AJ Styles qui demande à Bray Wyatt de se relever. Je ne sais pas s'il veut préparer. Oh, le coup dans le dos. La douleur va être terminée. Petit bug. Trompé de touche. Oh oh, c'est fini. AJ Styles. Soumission de AJ Styles. Il va arrêter là, il s'est tourné Bray Wyatt. Oh oui, oh oui, Bray Wyatt est fini.
ça passe. Normalement, c'est passé pour lui. Non, Maria tombe. Maria tire, remet Just Like comme ça. Just Like les vite. Et tu fais la célébration. C'est une mauvaise idée, ça. Oh, le Neckbreaker. Ah là là là. Quel match. On sent Ray Wyatt qui veut finir sur Just Tide. Ah la loyale, c'est rare chez lui quand même. Mais il veut lâcher. Non, oh non, je sens mal. Oh non, oh non. Non, non, non. C'est un habituel, deuxième du match. Ouais. Simplement de magistral, magistral de. Et Just Like s'il s'enfuit du ring. Il prend le temps. C'est dur, mais ça casse. C'est sûr que ça casse. Priorité est à côté. Ça l'est cassé. Attention à Just Styles. Qu'est-ce qu'il va faire, Just. Oh, Styles. Qui va prendre tous les risques dans ce match. L'un va chuter. Le match, l'autre veut complètement détruire le match. Mais Bray Wyatt, il se prend le slime. Oh, clutch, manchette, et German souplesse s'enchaîner. Est-ce que ça va être suffisant? Ce match-là sera déjà 3 étoiles. 1, 2, oh non, 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 Bray Wyatt, quel match. Là, un match comme ça à WWE, ça serait surprenant quand même. Oh non, plus très encore une fois par Bray Wyatt. Oh oh, il va prendre la liste. Qui aussi va chuter le match. Oh non, il a encore plus de risques que pris. Et là, ça fait. C'est fini. Aïe aïe aïe. Oh là là, quel putain de match. Excusez-moi, un problème à régler. Et oh là là, encore un plus spécial de Bray Wyatt. Est-ce que c'est suffisant? Oh là là, Roger Styles, c'est qui se sort? Oh là là, on est. Ça soit Bray Wyatt ou Roger Styles, ils sont finis pour le match. On les verra pas avant la semaine prochaine. Dites-moi, j'ai passé le premier épisode du catch. Et dites-moi si mettez en commentaire ce que vous en pensez du concept. Oh, j'ai compris. Oh purée, c'était un match. On va tenter le tout pour le tout. Ça passe ou ça casse. Et ça va passer, ça va passer. Bon, alors, j'ai fini. Dites-moi en commentaire si vous aimez la série. Et dites-moi en commentaire si vous pensez que ça sera suffisant. 1, 2, 3. Victoire de AJ Styles dans ce match. Quel match. On voit quand même la douleur. On va revoir quelques actions du match. C'est déjà ce DDT qui pouvait lâcher le match. On a vu des prises. Victoire. Absolutely amazing. We knew he felt he had to win this tonight. I mean, there's absolutely no way to underscore how big this victory is. Perhaps the biggest in his career. I gotta agree with you, Cole. The biggest in his career. En tout cas, on va passer au deuxième match. La chose est sûre, c'est que le show n'est pas prêt d'être fini. Oh là là, match de tag team. On va prendre Goldust and Hershus. Hershus, where's the points up? Ça va, il n'y a pas Biggie dans l'équipe, c'est Xavier Wood qui le remplace. Mais un Elimination Challenge, intéressant. Donc dans cet épisode, je pense qu'on va faire 3-4 matchs. Hein.
Donc le premier match a déjà duré pas mal de temps. Je vous avouerai. Et dites-moi en commentaire si vous voulez que je joue ou pas avec les personnages. Vous voulez que je fasse que commentateur. Oh, voici l'homme le plus bizarre actuellement du monde. Oh, oh, et c'est les champions par équipe. C'est les champions par équipe aussi. Et il lâche la ceinture. Il lâche la ceinture. Il en veut directement dans le dust. Et il y va. Pas le temps de niaiser. Il fait quoi? Il fait une célébration. Et il y va. C'est parti. Dust. Dust. Xavier Wood. Oh, Xavier Wood qui prend tout de suite Dust. Dust. Eh oui. Et c'est Xavier Wood, Dust. Actuellement. Dust à son frère. À son allié. De toujours. Oh mon dieu. Dust. Tout le temps de ligne. Le public applaudit, ils ont aimé l'intervention, Goldust se sépare de sa veste. C'est vous qui se réveillez. Oh, dans le dos. Oh, quand on tombe dans le dos, et le coup de la tartarin. Goldust. Et le poste. Superior intellect, superb conditioning, and unique way of combining speed with air attacks makes him difficult to prepare for. Woods looks to hit an opponent with a parry attack from the ground and the air. Anyway you look at it, Xavier Woods is a great bell to bell. C'est parti, en équipe. Bah, ça refait le bug encore une fois. On ne voit pas la barre comme ça a fait Camille. Coup de la jambe d'un Archius. Et ça ne marque même pas ici. Je peux même pas savoir si elles sont plus spéciales ou pas. Droite de Archulus qui touche le Pitiston. Quel début de match, quel début de match. Ils sont champions mais c'est pas pour rien. Oh, attention, attention à la soumission. Directement. Oh, et Goldust. Et Archulus n'arrive pas à s'en refaire. Et il va pas abandonner Archulus. N'abandonne pas. Vous ne ressent pas la puissance. Oh, il a attendu toi. Mais ça l'a épuisé, hein, ça l'a épuisé. Ouf. Chelchou qui peut encore pousser pour brûler le Pitston. Alors là, c'est un test pour les New Day. Pour ensuite pouvoir savoir s'ils peuvent avoir le titre ou pas. Oh, Chelchou qui prend des risques. Oh, dans le dos. Oh, dans le dos. Et ça va être fini pour le Pitston. Netbreaker de le Pitston. Oh, Topin Stone, il a vu la... l'attaque. Oh, le chip de Archulus. Pour le moment, pas trop de travail de team. Mais un travail sur un ou deux équipes chaque team. Là, c'est Topin Stone qui se prend mal. Hein. Donc, dites-le moi en commentaire si vraiment vous voulez que je commente ou pas le match. Entrée de Archulus. Sortie de Archulus. Entrée de Goldust. Tirant tout de suite. Oh, Archulus. Goldust qui se contre par qui. Tire contre. Et qui va poster. Oh. Attention. Et souplesse arrière. Bien posté. On va Xavier Wood en mode terroriser Goldust. Oh, c'est bien joué Goldust. Il va tenter de tomber, il va tenter de tomber. One. C'est un peu moins, hein, mais c'est un avertissement. C'est un élimination match, hein, donc après il restera plus qu'un catcher de chaque équipe, où il en restera 2 contre 1, et après il en restera 0. Contré par la chose. C'est quoi déjà les, les mouvements spéciaux? Needle Bulldog et Turking Call. Et Archus
Oh, c'est les États-Unis. Oh, le pain, le gros puits porté par Xavier Wood. Les adultes de ce temps. Les adultes de ce temps, tout cas. En tout cas, et Xavier Wood prend dessus sur Goldust, certainement. Mais c'est sous-estimé les vieux. C'est sous-estimé l'ancêtre du catch. Oh, admirer la puissance. Non, contré par Xavier Wood. C'est contré par Xavier Wood. Oh. Oh oh, le jeu arbitre planté là. Ils vont éliminer, non. Oh non. Il va faire quoi? Ils vont faire un finisher tag team. Mais Goldust se fait ratatiner. C'est pas possible. Kofi just un over pick. Oh, Goldust a pris cher, il a dégusté. Est-ce que c'est suffisant ou pas? Non, élimination de Goldust. Elle chauffe. Oh, il reste plus peu. Kofi Tustin. Oh là là, pas de ça est dur pour les champions par équipe avec l'élimination de Goldust. Elle chauffe. Un contre défavorable a permis à cette équipe de reprendre la tête. Oh non. Non, 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 attention. Oh. Là, c'est maintenant, c'est de plus en plus dur pour Archus. Et ça lui casse la jambe. C'est bien joué de la part d'Archus. Oh. Swinging Network. Bien apporté. Oh, il a compris. What? Quel contre de Xavier Wood, hein, c'est vraiment compris. Allez, Archus. Bonsoir, Archus. Bonsoir, Archus. C'était prié. Sans son partenaire. Ça va être suffisant. Oh, ils sont vraiment mauvais à tomber, hein, Archus et Goldust. DDT de Xavier Wood. Entrée de Kofi Kingston. Oui, donc plus tard j'essaierai avec mon nouveau chest. Hein. Peut-être que vous entendrez mieux ma voix quand je me concentre. Oh là là, quel match. Il y a du grand match hein, depuis le début. Vous avez. Oh, pas mal joué. Pas mal joué. Boum. Qu'est-ce que je vais faire, Archus? Qu'est-ce que je vais faire? Non, 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 non. Archus, c'est pas très. Il va chercher Xavier Wood. Il va chercher Xavier Wood. Il a disqualifié. Il a disqualifié. Et paix, c'est moi le champion. Archus. Il y avait un finisher. Et Archus. Très déçu. Bon, ils vont mettre ça. Donc, et continuons pour le match suivant. Oui, je vais couper un petit passage. J'ai renié un petit passage d'épisode. Oh, la provocation de James Sworth. Allons-y. Et je pense que c'est ce qui va couper l'épisode. Ou peut-être qu'on va refaire un autre match après. Je pense qu'on va faire un petit dernier match. Mais. Et donc, dites-le moi en commentaire vraiment si vous voulez que je coupe ou pas. Enfin, si je joue ou pas, je fasse le commentateur. Ça changerait ma manière, hein, bien sûr, de jouer. Pour organiser toute la série mieux. De mieux organiser la série. Mieux organiser les choses et tout, comme ça serait mieux, je trouve.
En tout cas, James Swartz, c'est long. C'est pas quelqu'un d'utile, James Swartz, à la base. L'épisode 1 est posté, l'épisode 2 est en train de se poster. Nous sommes mardi. Actuellement, donc. L'épisode 3, c'est pour de l'avance. C'est peut-être pour demain, même. Et demain, je ne suis pas là, donc pas d'épisode. Mais j'ai aussi un épisode FIFA, vous postez. Si cela vous intéresse. Bah, je vais poster demain, je pense. J'aime ce soir, tout bouffi. Bien représenté, quand même, bien fidèle. C'est ce qu'il va dire. Je ferme plus l'œil. Oh, j'ai demandé qu'on me laisse parler. Quelque chose qui me trouve depuis un bon bout de temps. Quelque chose qui m'empêche de dormir et que je ne veux plus garder pour moi. Tu vois, t'as mocheté. Ce type veut me rabaisser. Vous connaissez certainement un superstar qui m'a des trucs pas gentils sur moi ces derniers temps. Il cherche à me rabaisser à son niveau afin que je l'insulte bêtement en lui courant après. Mais ça, c'est pas moi. Deux trucs négatifs qui se mélangent ne font pas un truc positif. Et ses parents en sont le parfait exemple. Oh l'enfoiré, étant donné. Cette superstar. Sans plus vous faire attendre, laissez-moi vous présenter. La superstar dont les dires de grandeur vont bientôt lui valoir de sérieux problèmes. Viens ici, Kane. Et provoque Kane. Oh, il arrive. Fallait pas lancer Kane. Fallait pas le lancer. Le démon préféré du diable. The Big Red Machine. Kane. Il fait de moins en moins peur, je trouve. Kane, fan. Vu qu'avant, il faisait très peur. À son retour en 2012, je crois que c'est quelqu'un qui était masqué, il faisait aussi peur. Maintenant, on dirait un gentil bisounours avec un masque. Bon, en tout cas, il est énervé. Il a pas envie de parler, je crois, James Forge. On voit différence de taille de carrure. Hein. Énervé, Kane. Énervé, Kane. Il va dire quoi? Il va dire quoi, Kane? Attends, attends, j'attends, tu vois bien que tu te demandes ce que je fais là. Je vais y venir, mais d'abord, une question. À quel moment tu as pensé que pour ces gens, vous voulez écouter ce que tu as à dire? C'est pour moi qu'ils sont là, pas pour me voir. Oh, problème d'ego. Ce soir, tu vas te taper. Oh là là, attention. Tiens, ça serait pas super tard, moi, apprécier de toutes. Comment ça? T'as pas suffisamment de likes sur les réseaux sociaux alors que tu viens te plaider ta chose? Je pense pas qu'elle utilise les réseaux sociaux, mais bon. Just a bully. Je veux rendre super simple. Je suis meilleur. Quand j'ai un micro, je suis meilleur. Quand je me brosse les dents, je suis meilleur. Quand j'achète des céréales, pareil. Même quand je dis que je suis meilleur, je suis le meilleur. Waouh. Quand même là, ça va loin. Oh oh, il faudrait te renouveler, ton speech est aussi moisi que le vieux sandwich que j'ai retrouvé derrière mon canapé la semaine dernière. En fait, t'as la même odeur, continue de balancer les mêmes activités chaque semaine, et je fermerai le clapet de manière permanente. Oh, fallait pas voir lequel. Je ne regarde pas souvent les matchs. Wow, j'entendais un petit, il a l'air bien vénère. Oh oh, moi j'ai pas lu, hein. C'est pas un truc. Attention, Kane, sourire d'accord. Oh la droite de Kane, sur James Ashworth. Oh mon dieu, Kane énervé. James Ashworth, c'est parti pour se faire démonter. Oh, attention, Kane, oh mon dieu, j'aime ce sport, déjà KO, quoi. Kane. Oh, c'est le destruction de ce sport, hein, Kane fait. Attention, dernière coup de la corde à la linge. J'aime ce sport complètement KO, l'arbitre retient Kane. Et c'est par le monstre, Kane. Et voilà, on va passer au match suivant, mais quelle attaque de Kane. Il lui a fait ramasser son clapet. Et voici Randy Orton versus The Big Show. Là, le dernier match de cet épisode. Le match peut-être le plus... ou le deuxième le plus impressionnant. Après, j'ai ça le pré-Royat. Je ne vous en dis pas plus. Mais attention.
Vous allez entendre des voix dans vos têtes. Are you ready? Vous entendez vos voix. Et c'est parti. Big Show n'est pas une mince affaire à le soulever. Mais sans plus attendre, le voici, le voilà. Oh, là, déjà le premier coup de Big Show. Et Randy Orton part du ring. Intelligemment. Oh, Big Show, tu cours hein, quand même. Intéressant. Oh. Oh. Plus rapide pour les droites. Randy Orton dit fatigue de Big Show. Oh, Big Show qui sait prendre les droites de Randy Orton. Il faut fatiguer Big Show. Oh, ça c'est idiot de l'affaire de sa part de Randy Orton. Il va bien réussir à projeter Big Show. Oh, c'est compris par le Big Show. Bon, qu'est-ce qu'il va faire de Big Show? Ouh, ce Randy Orton déjà. Non, Randy. Démoli par le Big Show aussi. C'est un match de destruction, mais avec du rip quand même dans ce début de match. Pas beaucoup de vitesse, Randy n'est pas forcément rapide et Big Show encore moins. Mais il y a de la précision dans les gestes, dans les efforts. Et encore comme ça, fatigué le dos de Randy Orton. Big Show qui voudrait revenir un peu au niveau. Randy Orton à la recherche d'un titre. Je vous montrerai le classement des titres et tout pour ce show. Mais le match n'est pas fini. Même pas un simple en zéro. Attention, Randy. Oh! Randy, tu fais tomber le Big Show. C'est le moment, il faut attacher le Big Show. Non, faut pas le relever. Ah, c'est le Big Show qui s'énerve. On est rencontré par Randy Orton, close line. Les va faire le beau. Quel match, quel début de match. Déjà un peu de rapidité, un peu de technique. Oh, ça ici, le Big Show. Contré encore une fois. Et là, c'est profite, Randy. Randy Orton fait passer le Big Show. Par-dessus, Il arrive, il ramène le Big Show. Dans le coin, projeté violemment dans le coin. Oh, il me ramène bitch comme ça. Il va dominer avec les spectateurs. Regardez, franchement, en Big Show. Il se sent pas très bien face au Big Show. Big Show qui part très rapide. Qui arrive. Enfin, Randy Orton arrive à prendre un peu de vitesse de Big Show. Coup du Big Show qui. Randy Orton a ses opportunités. C'est cette opportunité qu'il ne faut pas lâcher. Non, Big Show qui tombe. Randy Orton est par terre. Oh, Big Show qui va finir le match déjà. Mais ça ne suffira pas, c'est Randy Orton quand même. Il recommence sa torsion, mais Randy se relève et flou dans le domaine. Enfin, flou. Entend une droite portée sur Big Show. Big Show. Et il va faire quoi, Randy? Bien joué. Piétine de Big Show. C'est ce qu'il faut faire. Faut piétiner Big Show. Empêcher de bouger. C'est un match avec de la force. Il y a de la vitesse, il y a de l'engagement. Il sait que ça sera pas suffisant pour battre le Big Show. Big Show est un peu si... Ouh, la tête. Le Big Show qui est près de Jar. Il relève Randy Orton. Oh, le pire du Big Show, il l'a dit pas en deux. Non, il se relève déjà. Non, c'est fini pour Randy. Ciao, punch. Randy Orton, complètement KO. Simplement deux, il se relève. Randy, magnifique Randy Orton.
Randy, coup de la tour d'Alain. Oh oui, il est prêt. RKO. Randy Orton, on l'a senti hésitant. Mais ça marche. Oui, Randy Orton gagne le match. Quel match Randy Orton a eu chaud quand même. Le simplement 2 magistral. On va revoir les actions. C'est surtout cette prise, le spear du bicho. Et là, ce RKO, regardons ça. Boum, RKO. Que choix. Là, il fallait porter le bicho, là. Il fallait le faire. Il ne pouvait pas porter le bicho. Et là, 3. Sur ce, pour ce match, qui va se finir et s'achever, je vais vous dire à bientôt pour un nouvel épisode de Double Devalie Universal en Arcade.